Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Ce mois-ci, dans Multimorphose, vous allez entendre des voix dire des messages écrits par d'autres qui auraient aimé les dire eux-mêmes, à voix haute. Il y a 8 mois, j'ai eu un cancer et donc chimio, fini depuis mars, et soins infirmiers à domicile. Je m'entendais très bien avec l'aide infirmière, qui avait le même âge que moi, la trentaine. Je n'ai jamais osé lui demander de prendre un café ou un échange de numéros, alors que j'avais un petit crush. Dans une autre dimension, nous sommes ensemble. Si longtemps sans te voir, mais j'écoute encore ta voix. Je me souviens d'un soir où tu quittais mes bras. Nous avions quelque chose de si beau et vraiment unique. Je suis parfois un peu morose en y pensant, nostalgique. Tu me manques, tout comme le son que tu m'écrivais chaque jour. De ces douces notifications, de nos vocaux, tour à tour. Il y a plus de 10 ans, tu m'as parlé de Lester Bangs et j'ai découvert notamment les Dead Kennedys grâce à toi. On s'est croisé par hasard devant un cinéma Porte des Lilas il y a quelques années, et je n'en reviens pas que tu m'aies reconnu. J'aimerais bien prendre un café avec toi, juste pour discuter, peut-être même mettre un point final à un crush de lycée. Ça te dirait ? Tu es ma planète. C'est grâce à toi que je vis, que je respire, que je tiens debout. Parfois les étoiles m'appellent. Mais je reviendrai toujours m'ancrer dans tes bras. Ce sont des mots prêtés, tu sais. Ils diront que tu es l'histoire la plus belle et la plus étrange qui me soit arrivée dans ce versant de ma vie, tu sais. Ils diront que tu es précieuse et brûlante, que tu es aussi douce qu'acérée, tu sais. Quelque chose pour dire l'équilibre que ma main dans la tienne donne et la responsabilité de ne jamais brûler tes ailes. Ça, je sais. Une autre bouche que la mienne te dira que j'aimerais te baiser et t'aimer, tu sais. Et caresser tes cheveux pendant que tu dors et écouter ton souffle paisible et sourire au reflet des lumières du dehors sur ta hanche. Ce sont ces mots que je veux prêter. Maintenant, tu sais. Si je pouvais, je t'oublierai. Je te laisserai vivre ta vie. J'irai enfin vivre la mienne. Mais bon, tu es ma mère. Si vous aussi vous avez envie de proposer un épisode one shot, c'est-à-dire une idée en un épisode à Multimorphose, il suffit d'envoyer un message via le compte Twitter ou le compte Facebook de Multimorphose et de proposer votre idée. Je tiens à remercier Zu pour l'aide à la préparation de cet épisode. Et je vous rappelle que Multimorphose fait partie du label Podcut, où vous pouvez retrouver plus de 23 podcasts sur des sujets très diversifiés, comme par exemple Stephen King dans Le Roi Stephen, la Corée avec Gonbe ou encore la mode avec Vêture. Et n'hésitez pas à contribuer au Patreon de Podcut pour soutenir le label sur patreon.com/podcut. Et à très bientôt pour un autre épisode de Multimorphose. On est là comme deux cons. On est bien tous les deux. C'est
pas pour notre pognon, mais pour ce qu'il y a dans nos yeux. Que la foule se fige et s'émerveille un peu. Il serait peut-être temps que tu piges tout ce qui se passe sous mes cheveux. Parce que toi t'as rien vu pendant toutes ces années. D'façon t'y aurais pas cru ce que c'est beau l'amitié. Mais au premier coup de vent, j'aurais chopé ta main, prétextant l'accident. Et comme ça, ouais comme ça, l'air de rien. Dans ces bistrots crado où j'ai traîné mes grolles, quand j'avais le cœur gros et serré contre toi, se bouffer les coins de table, tournoyant dans tes bras, au-delà du raisonnable. On ferait tout ce qu'on trouve nul quand on doit le faire tout seul, comme se balader le dimanche et puis boire du tilleul. Parce que là j'en peux plus, je connais tous tes secrets et tes histoires de cul qui se terminent en si belle. Quand on parle entre filles et qu'on partage ton pieu, bah y'a pas que dans mon vide qu'il y a comme une sorte de nœud. Et te trouver si belle quand tu m'embrasses la joue, l'amitié c'est cruel et c'est pas fait pour nous. Enfin ça crève les yeux, je suis fait pour être ton homme, on serait bien tous les deux si t'étais pas si conne.